Ce garçon de 13 ans a mystérieusement disparu après avoir emprunté un vélo à son ami. Voici ce qui s'est passé après qu'il ait été retrouvé 5 jours plus tard dans un hôpital. Angelica Martinez avait le cœur brisé dû à la disparition de son frère. Environ 2 jours avant Halloween, Nathan Torres a sauté sur le vélo rouge d'un ami de la famille et s'est rendu dans un magasin. Malheureusement, avant qu'il n'y arrive, quelque chose d'affreux lui est arrivé. Selon les rapports de police, le jeune garçon a été percuté par un véhicule quelques minutes après son départ. L'accident s'est produit à environ 400 mètres de sa maison, à Emmett, en Californie. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui, les membres de sa famille étaient très inquiets. Au début, ils pensaient qu'il était peut-être allé chez un ami. Mais au bout d'un jour, comme il n'était toujours pas rentré, ils ont eu peur de ne plus le revoir. Sa sœur aînée, Angelica Martinez, a parcouru Internet pour voir si elle pouvait trouver des informations sur son frère disparu. « Je suis allée sur Internet parce que nous pensions au pire quand un enfant disparaît. Il pourrait être kidnappé ou poussé à rencontrer des gens sur Internet », a-t-elle déclaré. La mère célibataire d'Angelica a porté plainte le lendemain, le 30 octobre. Angelica et sa mère ont contacté des amis, cherché dans différentes villes, et elles ont même essayé de localiser son téléphone, mais tous les efforts pour retrouver le petit sont restés vains. Ce qu'elles n'ont jamais su, c'est que Nathan avait été impliqué dans un accident où il a subi une grave lésion cérébrale. Bouleversant, n'est-ce pas? Le jeune homme de 13 ans a ensuite été transféré à l'hôpital Moreno Valley, où il a été pris en charge. Comme son identité n'était pas connue, le centre médical de Riverside l'a enregistré à l'unité de soins intensifs pour adultes sous le nom de John Doe. Les médecins et les infirmières l'ont pris pour un garçon de 20 ans. L'hôpital a publié un communiqué sur cet incident douloureux, mais a refusé de donner des informations spécifiques sur le cas de l'adolescent. La police et sa famille n'ont pas pu le retrouver car son identité avait été modifiée. Mais comment son identité a-t-elle été modifiée ? Eh bien, c'est à cause de la différence entre le lieu de résidence de la famille et le lieu de l'accident. Selon Angelica, sa mère vit à la frontière de Emmett et de San Jacinto. Mais techniquement, ils vivent à Emmett. Cependant, l'accident de son frère s'est produit à environ 3 pâtés de maison de la maison de sa mère, et cet endroit serait San Jacinto. C'est là que les choses ont mal tourné, car sa mère a signalé la disparition de Nathan à la police de Emmett, et non celle de San Jacinto. Cependant, Angelica a déclaré que sa mère avait clairement dit aux agents de Emmett que son fils conduisait un vélo gantelette rouge la dernière fois qu'il avait été vu. Elle a donc été particulièrement surprise qu'il ne puisse pas faire le rapprochement et le retrouver. Mais ce n'était pas pour longtemps. Finalement, après 5 jours, la police a pu reconnaître Nathan. C'est un adjoint du shérif de Riverside qui a vu le rapport sur le garçon disparu et a informé sa famille que le John Doe du centre médical de Riverside était le Nathan Torres disparu. Pouvez-vous le croire? Selon Angelica, un officier s'est présenté chez sa mère avec une photo de son frère à l'hôpital. Lorsqu'elles ont appris ce qui lui était arrivé, elles ont eu le cœur brisé. Le même jour, la police de Emmett a publié une déclaration concernant le garçon disparu. Des mesures de suivi ont été prises par la police de Emmett et les hôpitaux de la région ont été contactés. Bien que plusieurs hôpitaux aient été contactés, le mineur n'a pas été retrouvé car il avait été admis en tant que John Doe. Angelica pense que la police de Emmett aurait pu faire mieux dans la gestion du cas de son frère. Selon elle, le service de police de Riverside a contacté le service de police de Emmett à plusieurs reprises pour savoir s'ils avaient des personnes disparues correspondant à leur description, mais ils répondaient toujours par la négative. Lorsqu'on a demandé au service de police de Emmett pourquoi il avait fallu si longtemps pour retrouver Nathan, ils ont choisi de ne pas faire de commentaires à ce sujet. Toutefois, ils lui ont souhaité un prompt rétablissement. « Je suis juste heureux qu'il l'ait retrouvé. » La sœur de l'adolescent était particulièrement reconnaissante envers l'officier de San Jacinto, de la police de Riverside, qui a déployé tous ses efforts pour retrouver son frère. Elle était également reconnaissante envers l'hôpital qui l'a admise et ne leur a jamais reproché quoi que ce soit. La famille était heureuse que le personnel médical ait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire prendre soin du jeune garçon. Heureusement, la famille de Nathan l'a trouvé juste à temps. Lorsque sa sœur et sa mère l'ont vu, elles n'ont pu retenir leurs larmes et ont juste espéré qu'il allait survivre. Il aurait pu mourir s'il n'avait pas été retrouvé. Sa sœur était particulièrement triste de n'avoir pas été avec son frère lorsque l'événement tragique s'est produit. Elle a décidé de rester avec son petit frère à l'hôpital. Mais pendant son séjour, sa santé a commencé à se détériorer. Cela lui a fait très peur. « Il allait très bien et tout d'un coup, nous le perdions », a-t-elle dit.
Les médecins leur ont dit que la pression dans son cerveau s'aggravait et qu'elle était censée augmenter et non diminuer. À ce stade, Nathan était dans un état terrible et avait besoin d'une opération urgente. Le garçon était inconscient et a été opéré, et heureusement, il s'en est sorti. Par mesure de sécurité, on a dû lui retirer le crâne. Mais au moins, il avait une chance de survivre. L'équipe médicale en charge de l'opération a dit à sa famille qu'il faudrait environ 3 mois avant que son crâne ne soit remis en place. Cependant, un miracle choquant s'est produit. Le crâne de Nathan a pu être remis 3 semaines après son opération, ce qui a été une excellente nouvelle pour sa famille. Incroyable, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'inflammation avait cessé et son état de santé s'était considérablement amélioré, même s'il avait encore des séquelles. Il a été placé dans un coma artificiel en partie à cause de l'inflammation et des dommages au cerveau. Mais Nathan est un battant et il a fini par s'en sortir. Les membres de sa famille pouvaient désormais savoir s'il était éveillé ou endormi. Toutefois, il n'était pas certain qu'il comprenait lorsqu'il lui parlait. Mais ses neurochirurgiens pensaient qu'il le pouvait, même s'il ne réagissait pas beaucoup. La situation de Nathan a été particulièrement difficile pour sa mère, qui a également une fille de 8 ans ayant des besoins particuliers. Maintenant, avec ce qui lui est arrivé, cela signifie qu'elle doit s'occuper des deux de façon particulière. Cela doit être difficile pour la maman. Toutefois, malgré ce défi, elle déclare qu'elle est simplement heureuse de l'avoir retrouvé et elle croit qu'il se rétablira. Pour l'instant, le jeune garçon est incapable de drainer lui-même le liquide de son cerveau. Il doit utiliser une sonde d'alimentation, un respirateur artificiel et un tube de trachéotomie pour bien respirer. En réalité, cet adolescent a un long chemin à parcourir avant de rentrer à la maison. Selon Angelica, sa famille a décidé d'intenter une action en justice contre le conducteur qui a percuté Nathan. Ils ont vu le véhicule circuler librement et ont eu du mal à supporter la douleur que cet incident leur a causée. Cependant, ils savent qu'ils doivent vivre avec ce qui s'est passé et ils se concentrent maintenant sur le rétablissement de son frère. Ils ont également lancé un projet GoFundMe pour lui apporter tout le soutien dont il a besoin. Angelica espère que les gens pourront les aider afin que sa mère puisse séjourner dans un hôpital plus proche de l'hôpital où se trouve Nathan. Elle espère également qu'une partie de l'argent pourra contribuer à répondre à ses autres besoins et à rénover leur maison lorsqu'il sera enfin de retour à la maison. Toutefois, les médecins ont informé la famille de Nathan qu'ils n'étaient pas sûrs de l'issue. Ils leur ont fait comprendre que tout pouvait arriver, car l'issue d'une lésion cérébrale n'est jamais certaine. Mais Nathan a défié les attentes des médecins jusqu'à présent, et sa famille est convaincue que son rétablissement sera meilleur que ce que prévoient les médecins. Sa famille a été ravie lorsqu'elle a appris qu'il allait bientôt être transféré dans un centre de rééducation à Loma Linda, car c'était sa meilleure chance de se rétablir. Angelica veut que les gens sachent que ce dont ils ont le plus besoin pour son petit frère, ce sont des prières. Elle pense que les prières aideront Nathan à rester fort et elle sait que sa mère apprécierait cela plus que n'importe quelle somme d'argent qui leur serait donnée. Récemment, elle a partagé les photos de son frère, qui se remet bien et sera bientôt de retour à la maison. Elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenu et ont prié pour lui. Que pensez-vous de l'histoire de Nathan? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires. Ce garçon de 13 ans a mystérieusement disparu après avoir emprunté un vélo à son ami. Voici ce qui s'est passé après qu'il ait été retrouvé 5 jours plus tard dans un hôpital. Angelica Martinez avait le cœur brisé dû à la disparition de son frère. Environ 2 jours avant Halloween, Nathan Torres a sauté sur le vélo rouge d'un ami de la famille et s'est rendu dans un magasin. Malheureusement, avant qu'il n'y arrive, quelque chose d'affreux lui est arrivé. Selon les rapports de police, le jeune garçon a été percuté par un véhicule quelques minutes après son départ. L'accident s'est produit à environ 400 mètres de sa maison, à Emmett, en Californie. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui, les membres de sa famille étaient très inquiets. Au début, il pensait qu'il était peut-être allé chez un ami. Mais au bout d'un jour, comme il n'était toujours pas rentré, ils ont eu peur de ne plus le revoir. Sa sœur aînée, Angelica Martinez, a parcouru Internet pour voir si elle pouvait trouver des informations sur son frère disparu. « Je suis allée sur Internet parce que nous pensions au pire quand un enfant disparaît. Il pourrait être kidnappé ou poussé à rencontrer des gens sur Internet », a-t-elle déclaré. La mère célibataire d'Angelica a porté plainte le lendemain, le 30 octobre. Angelica et sa mère ont contacté des amis, cherché dans différentes villes, et elles ont même essayé de localiser son téléphone, mais tous les efforts pour retrouver le petit sont restés vains.
Ce qu'elles n'ont jamais su, c'est que Nathan avait été impliqué dans un accident où il a subi une grave lésion cérébrale. Bouleversant, n'est-ce pas? Le jeune homme de 13 ans a ensuite été transféré à l'hôpital Moreno Valley, où il a été pris en charge. Comme son identité n'était pas connue, le centre médical de Riverside l'a enregistré à l'unité de soins intensifs pour adultes sous le nom de John Doe. Les médecins et les infirmières l'ont pris pour un garçon de 20 ans. L'hôpital a publié un communiqué sur cet incident douloureux, mais a refusé de donner des informations spécifiques sur le cas de l'adolescent. La police et sa famille n'ont pas pu le retrouver car son identité avait été modifiée. Mais comment son identité a-t-elle été modifiée? Eh bien, c'est à cause de la différence entre le lieu de résidence de la famille et le lieu de l'accident. Selon Angelica, sa mère vit à la frontière de Emmett et de San Jacinto. Mais techniquement, ils vivent à Emmett. Cependant, l'accident de son frère s'est produit à environ 3 pâtés de maison de la maison de sa mère, et cet endroit serait San Jacinto. C'est là que les choses ont mal tourné, car sa mère a signalé la disparition de Nathan à la police de Emmett, et non celle de San Jacinto. Cependant, Angelica a déclaré que sa mère avait clairement dit aux agents de Emmett que son fils conduisait un vélo gantelette rouge la dernière fois qu'il avait été vu. Elle a donc été particulièrement surprise qu'il ne puisse pas faire le rapprochement et le retrouver. Mais ce n'était pas pour longtemps. Finalement, après 5 jours, la police a pu reconnaître Nathan. C'est un adjoint du shérif de Riverside qui a vu le rapport sur le garçon disparu et a informé sa famille que le John Doe du centre médical de Riverside était le Nathan Torres disparu. Pouvez-vous le croire? Selon Angelica, un officier s'est présenté chez sa mère avec une photo de son frère à l'hôpital. Lorsqu'elles ont appris ce qui lui était arrivé, elles ont eu le cœur brisé. Le même jour, la police de Emmett a publié une déclaration concernant le garçon disparu. Des mesures de suivi ont été prises par la police de Emmett et les hôpitaux de la région ont été contactés. Bien que plusieurs hôpitaux aient été contactés, le mineur n'a pas été retrouvé car il avait été admis en tant que John Doe. Angelica pense que la police de Emmett aurait pu faire mieux dans la gestion du cas de son frère. Selon elle, le service de police de Riverside a contacté le service de police de Emmett à plusieurs reprises pour savoir s'ils avaient des personnes disparues correspondant à leur description, mais ils répondaient toujours par la négative. Lorsqu'on a demandé au service de police de Emmett pourquoi il avait fallu si longtemps pour retrouver Nathan, ils ont choisi de ne pas faire de commentaires à ce sujet. Toutefois, ils lui ont souhaité un prompt rétablissement. Je suis juste heureux qu'il l'ait retrouvé. La sœur de l'adolescent était particulièrement reconnaissante envers l'officier de San Jacinto, de la police de Riverside, qui a déployé tous ses efforts pour retrouver son frère. Elle était également reconnaissante envers l'hôpital qui l'a admise et ne leur a jamais reproché quoi que ce soit. La famille était heureuse que le personnel médical ait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire prendre soin du jeune garçon. Heureusement, la famille de Nathan l'a trouvé juste à temps. Lorsque sa sœur et sa mère l'ont vu, elles n'ont pu retenir leurs larmes et ont juste espéré qu'il allait survivre. Il aurait pu mourir s'il n'avait pas été retrouvé. Sa sœur était particulièrement triste de n'avoir pas été avec son frère lorsque l'événement tragique s'est produit. Elle a décidé de rester avec son petit frère à l'hôpital. Mais pendant son séjour, sa santé a commencé à se détériorer. Cela lui a fait très peur. Il allait très bien et tout d'un coup, nous le perdions, a-t-elle dit. Les médecins leur ont dit que la pression dans son cerveau s'aggravait et qu'elle était censée augmenter et non diminuer. À ce stade, Nathan était dans un état terrible et avait besoin d'une opération urgente. Le garçon était inconscient et a été opéré, et heureusement, il s'en est sorti. Par mesure de sécurité, on a dû lui retirer le crâne. Mais au moins, il avait une chance de survivre. L'équipe médicale en charge de l'opération a dit à sa famille qu'il faudrait environ 3 mois avant que son crâne ne soit remis en place. Cependant, un miracle choquant s'est produit. Le crâne de Nathan a pu être remis 3 semaines après son opération, ce qui a été une excellente nouvelle pour sa famille. Incroyable, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'inflammation avait cessé et son état de santé s'était considérablement amélioré, même s'il avait encore des séquelles. Il a été placé dans un coma artificiel en partie à cause de l'inflammation et des dommages au cerveau. Mais Nathan est un battant et il a fini par s'en sortir. Les membres de sa famille pouvaient désormais savoir s'il était éveillé ou endormi. Toutefois, il n'était pas certain qu'il comprenait lorsqu'il lui parlait. Mais ses neurochirurgiens pensaient qu'il le pouvait, même s'il ne réagissait pas beaucoup. La situation de Nathan a été particulièrement difficile pour sa mère, qui a également une fille de 8 ans ayant des besoins particuliers. Maintenant, avec ce qui lui est arrivé, cela signifie qu'elle doit s'occuper des deux de façon particulière. Cela doit être difficile pour la maman.
Toutefois, malgré ce défi, elle déclare qu'elle est simplement heureuse de l'avoir retrouvé et elle croit qu'il se rétablira. Pour l'instant, le jeune garçon est incapable de drainer lui-même le liquide de son cerveau. Il doit utiliser une sonde d'alimentation, un respirateur artificiel et un tube de trachéotomie pour bien respirer. En réalité, cet adolescent a un long chemin à parcourir avant de rentrer à la maison. Selon Angelica, sa famille a décidé d'intenter une action en justice contre le conducteur qui a percuté Nathan. Ils ont vu le véhicule circuler librement et ont eu du mal à supporter la douleur que cet incident leur a causée. Cependant, ils savent qu'ils doivent vivre avec ce qui s'est passé et ils se concentrent maintenant sur le rétablissement de son frère. Ils ont également lancé un projet GoFundMe pour lui apporter tout le soutien dont il a besoin. Angelica espère que les gens pourront les aider afin que sa mère puisse séjourner dans un hôpital plus proche de l'hôpital où se trouve Nathan. Elle espère également qu'une partie de l'argent pourra contribuer à répondre à ses autres besoins et à rénover leur maison lorsqu'il sera enfin de retour à la maison. Toutefois, les médecins ont informé la famille de Nathan qu'ils n'étaient pas sûrs de l'issue. Ils leur ont fait comprendre que tout pouvait arriver, car l'issue d'une lésion cérébrale n'est jamais certaine. Mais Nathan a défié les attentes des médecins jusqu'à présent, et sa famille est convaincue que son rétablissement sera meilleur que ce que prévoient les médecins. Sa famille a été ravie lorsqu'elle a appris qu'il allait bientôt être transféré dans un centre de rééducation à Loma Linda, car c'était sa meilleure chance de se rétablir. Angelica veut que les gens sachent que ce dont ils ont le plus besoin pour son petit frère, ce sont des prières. Elle pense que les prières aideront Nathan à rester fort et elle sait que sa mère apprécierait cela plus que n'importe quelle somme d'argent qui leur serait donnée. Récemment, elle a partagé les photos de son frère, qui se remet bien et sera bientôt de retour à la maison. Elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenu et ont prié pour lui. Que pensez-vous de l'histoire de Nathan? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires. Ce garçon de 13 ans a mystérieusement disparu après avoir emprunté un vélo à son ami. Voici ce qui s'est passé après qu'il ait été retrouvé 5 jours plus tard dans un hôpital. Angelica Martinez avait le cœur brisé dû à la disparition de son frère. Environ 2 jours avant Halloween, Nathan Torres a sauté sur le vélo rouge d'un ami de la famille et s'est rendu dans un magasin. Malheureusement, avant qu'il n'y arrive, quelque chose d'affreux lui est arrivé. Selon les rapports de police, le jeune garçon a été percuté par un véhicule quelques minutes après son départ. L'accident s'est produit à environ 400 mètres de sa maison, à Emmett, en Californie. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui, les membres de sa famille étaient très inquiets. Au début, ils pensaient qu'il était peut-être allé chez un ami. Mais au bout d'un jour, comme il n'était toujours pas rentré, ils ont eu peur de ne plus le revoir. Sa sœur aînée, Angelica Martinez, a parcouru Internet pour voir si elle pouvait trouver des informations sur son frère disparu. « Je suis allée sur Internet parce que nous pensions au pire quand un enfant disparaît. Il pourrait être kidnappé ou poussé à rencontrer des gens sur Internet », a-t-elle déclaré. La mère célibataire d'Angelica a porté plainte le lendemain, le 30 octobre. Angelica et sa mère ont contacté des amis, cherché dans différentes villes, et elles ont même essayé de localiser son téléphone, mais tous les efforts pour retrouver le petit sont restés vains. Ce qu'elles n'ont jamais su, c'est que Nathan avait été impliqué dans un accident où il a subi une grave lésion cérébrale. Bouleversant, n'est-ce pas? Le jeune homme de 13 ans a ensuite été transféré à l'hôpital Moreno Valley, où il a été pris en charge. Comme son identité n'était pas connue, le centre médical de Riverside l'a enregistré à l'unité de soins intensifs pour adultes sous le nom de John Doe. Les médecins et les infirmières l'ont pris pour un garçon de 20 ans. L'hôpital a publié un communiqué sur cet incident douloureux, mais a refusé de donner des informations spécifiques sur le cas de l'adolescent. La police et sa famille n'ont pas pu le retrouver car son identité avait été modifiée. Mais comment son identité a-t-elle été modifiée ? Eh bien, c'est à cause de la différence entre le lieu de résidence de la famille et le lieu de l'accident. Selon Angelica, sa mère vit à la frontière de Emmett et de San Jacinto. Mais techniquement, ils vivent à Emmett. Cependant, l'accident de son frère s'est produit à environ 3 pâtés de maison de la maison de sa mère, et cet endroit serait San Jacinto. C'est là que les choses ont mal tourné, car sa mère a signalé la disparition de Nathan à la police de Emmett, et non celle de San Jacinto. Cependant, Angelica a déclaré que sa mère avait clairement dit aux agents de Emmett que son fils conduisait un vélo gantelette rouge la dernière fois qu'il avait été vu.
Elle a donc été particulièrement surprise qu'il ne puisse pas faire le rapprochement et le retrouver. Mais ce n'était pas pour longtemps. Finalement, après 5 jours, la police a pu reconnaître Nathan. C'est un adjoint du shérif de Riverside qui a vu le rapport sur le garçon disparu et a informé sa famille que le John Doe du centre médical de Riverside était le Nathan Torres disparu. Pouvez-vous le croire? Selon Angelica, un officier s'est présenté chez sa mère avec une photo de son frère à l'hôpital. Lorsqu'elles ont appris ce qui lui était arrivé, elles ont eu le cœur brisé. Le même jour, la police de Emmett a publié une déclaration concernant le garçon disparu. Des mesures de suivi ont été prises par la police de Emmett et les hôpitaux de la région ont été contactés. Bien que plusieurs hôpitaux aient été contactés, le mineur n'a pas été retrouvé car il avait été admis en tant que John Doe. Angelica pense que la police de Emmett aurait pu faire mieux dans la gestion du cas de son frère. Selon elle, le service de police de Riverside a contacté le service de police de Emmett à plusieurs reprises pour savoir s'ils avaient des personnes disparues correspondant à leur description, mais ils répondaient toujours par la négative. Lorsqu'on a demandé au service de police de Emmett pourquoi il avait fallu si longtemps pour retrouver Nathan, ils ont choisi de ne pas faire de commentaires à ce sujet. Toutefois, ils lui ont souhaité un prompt rétablissement. Je suis juste heureux qu'il l'ait retrouvé. La sœur de l'adolescent était particulièrement reconnaissante envers l'officier de San Jacinto, de la police de Riverside, qui a déployé tous ses efforts pour retrouver son frère. Elle était également reconnaissante envers l'hôpital qui l'a admise et ne leur a jamais reproché quoi que ce soit. La famille était heureuse que le personnel médical ait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire prendre soin du jeune garçon. Heureusement, la famille de Nathan l'a trouvé juste à temps. Lorsque sa sœur et sa mère l'ont vu, elles n'ont pu retenir leurs larmes et ont juste espéré qu'il allait survivre. Il aurait pu mourir s'il n'avait pas été retrouvé. Sa sœur était particulièrement triste de n'avoir pas été avec son frère lorsque l'événement tragique s'est produit. Elle a décidé de rester avec son petit frère à l'hôpital. Mais pendant son séjour, sa santé a commencé à se détériorer. Cela lui a fait très peur. Il allait très bien et tout d'un coup, nous le perdions, a-t-elle dit. Les médecins leur ont dit que la pression dans son cerveau s'aggravait et qu'elle était censée augmenter et non diminuer. À ce stade, Nathan était dans un état terrible et avait besoin d'une opération urgente. Le garçon était inconscient et a été opéré et heureusement, il s'en est sorti. Par mesure de sécurité, on a dû lui retirer le crâne. Mais au moins, il avait une chance de survivre. L'équipe médicale en charge de l'opération a dit à sa famille qu'il faudrait environ 3 mois avant que son crâne ne soit remis en place. Cependant, un miracle choquant s'est produit. Le crâne de Nathan a pu être remis 3 semaines après son opération, ce qui a été une excellente nouvelle pour sa famille. Incroyable, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'inflammation avait cessé et son état de santé s'était considérablement amélioré, même s'il avait encore des séquelles. Il a été placé dans un coma artificiel en partie à cause de l'inflammation et des dommages au cerveau. Mais Nathan est un battant et il a fini par s'en sortir. Les membres de sa famille pouvaient désormais savoir s'il était éveillé ou endormi. Toutefois, il n'était pas certain qu'il comprenait lorsqu'il lui parlait. Mais ses neurochirurgiens pensaient qu'il le pouvait, même s'il ne réagissait pas beaucoup. La situation de Nathan a été particulièrement difficile pour sa mère, qui a également une fille de 8 ans ayant des besoins particuliers. Maintenant, avec ce qui lui est arrivé, cela signifie qu'elle doit s'occuper des deux de façon particulière. Cela doit être difficile pour la maman. Toutefois, malgré ce défi, elle déclare qu'elle est simplement heureuse de l'avoir retrouvé et elle croit qu'il se rétablira. Pour l'instant, le jeune garçon est incapable de drainer lui-même le liquide de son cerveau. Il doit utiliser une sonde d'alimentation, un respirateur artificiel et un tube de trachéotomie pour bien respirer. En réalité, cet adolescent a un long chemin à parcourir avant de rentrer à la maison. Selon Angelica, sa famille a décidé d'intenter une action en justice contre le conducteur qui a percuté Nathan. Ils ont vu le véhicule circuler librement et ont eu du mal à supporter la douleur que cet incident leur a causée. Cependant, ils savent qu'ils doivent vivre avec ce qui s'est passé et ils se concentrent maintenant sur le rétablissement de son frère. Ils ont également lancé un projet GoFundMe pour lui apporter tout le soutien dont il a besoin. Angelica espère que les gens pourront les aider afin que sa mère puisse séjourner dans un hôpital plus proche de l'hôpital où se trouve Nathan. Elle espère également qu'une partie de l'argent pourra contribuer à répondre à ses autres besoins et à rénover leur maison lorsqu'il sera enfin de retour à la maison. Toutefois, les médecins ont informé la famille de Nathan qu'ils n'étaient pas sûrs de l'issue. Ils leur ont fait comprendre que tout pouvait arriver, car l'issue d'une lésion cérébrale n'est jamais certaine.
Mais Nathan a défié les attentes des médecins jusqu'à présent et sa famille est convaincue que son rétablissement sera meilleur que ce que prévoient les médecins. Sa famille a été ravie lorsqu'elle a appris qu'il allait bientôt être transféré dans un centre de rééducation à Loma Linda, car c'était sa meilleure chance de se rétablir. Angelica veut que les gens sachent que ce dont ils ont le plus besoin pour son petit frère, ce sont des prières. Elle pense que les prières aideront Nathan à rester fort et elle sait que sa mère apprécierait cela plus que n'importe quelle somme d'argent qui leur serait donnée. Récemment, elle a partagé les photos de son frère, qui se remet bien et sera bientôt de retour à la maison. Elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenu et ont prié pour lui. Que pensez-vous de l'histoire de Nathan? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires.